par-delà les frontières, les prairies et la mer, dans les grandes noirceurs, sous le feu des chasseurs, dans les mains de la mort, il s'envole encore plus haut, plus haut. Le cœur est un oiseau dans les yeux des miradors, dans les rues de nulle part, au milieu des déserts, de froid, de faim et de faim. Il refait son nid. Plus chaud, plus chaud. Le cœur est un oiseau. Ce n'était qu'un orage, ce n'était qu'une cage. Tu reprendras ta course, tu iras à la source. Tu boiras tout le ciel. Ouvre tes ailes. Liberté, liberté, liberté. Shake un peu là. Ben, je sais pas. Non. Voilà. C'est chaud. je suis inversé. Je suis sur le cul. C'est vraiment très très bon. Merci. J'avais l'impression d'être. Je sais pas. J'avais l'impression d'être à l'église, mais que c'est toi. C'est toi l'église. C'est flyé ce que ça me fait quand tu chantes. Les premières notes, ça me rentre dans poitrine, direct. Ça me rentre dans poitrine, direct. Puis après ça, on dirait que je déconnecte plus du tout d'avec toi. J'ai entendu cette chanson-là souvent. Jamais comme ça. J'entends des imperfections vocales, j'entends des attaques qui sont par en dessous puis qui vont s'accoter après, puis j'entends des... Je sais que c'est là, mais tout le reste m'enchante
me tellement là. Tu me fais passer par tellement d'émotions là. C'est... Bravo. Merci. Bravo. T'as tellement de charisme. Ce qui compte beaucoup pour un chanteur, le charisme, la façon que tu projettes ta voix puis que tu livres le texte. Puis comme Patrick dit, la voix, quand t'as commencé, là, les notes des premières paroles, t'es venu nous chercher tout de suite. C'était une grande performance. Je vais parler de ça. Parle parce que je suis pas capable. Je vais te laisser quelques instants, Michel. Oh boy. Est-ce que je peux mettre ça? Ça voulait faire une histoire avant que je te. Il doit manquer d'air à l'altitude où tu es, toi, de toute façon. J'espère que tu prends une note, pas juste émotive, mais une note mentale de ce qui se passe là maintenant. Je pense pas que tu sais à quel point tu peux être une... Oh, je sais pas si je vais dire grande chanteuse, parce que je sais même pas ce que ça veut dire maintenant, mais une chanteuse exceptionnelle. Fait que j'espère que tu prends une note de ce qui est arrivé. Ta voix déjà est unique. C'est, il y a un registre, il y a une rondeur, il y a une chaleur, puis il y a tout ça. C'est exceptionnel ce que tu peux faire. Je viens de dire un mot que c'est René d'habitude qui utilise, le mot exceptionnel. Maintenant, faudrait mettre de l'attention dans les fameux détails dont Patrick a parlé. Patrick a dit, tu m'as soufflé. J'entends les affaires. Là, moi, mon réflexe, c'est maintenant, si aujourd'hui, là, tu sors d'ici convaincu que tu as touché 4 personnes avec la façon que tu as chanté cette chanson-là, faut pas que ça reste là. Faut après ça que les détails, comme le fait que c'était pas juste au début, puis le fait que certaines entrées qui étaient pas exactes, puis le fait qu'il y a des moments où tu nous tiens avec une parole puis tu décides de prendre une respiration exactement avant de finir ce mot-là. Je pense qu'il faut que tu mettes autant maintenant de... t'accordes autant d'attention à ça que l'attention que tu as accordée à choisir ta chanson. Je le sais que depuis la semaine passée, tu penses « C'est quoi que je veux faire pour qu'on comprenne d'où ça vient? » C'est presque une expérience religieuse qu'on a vécue. Ben, en ce cas, que moi, j'ai vécu. Si c'en est pas une. Fait qu'imagine maintenant, là, si, en plus de tout ça, il y a une attention particulière, parce que c'était tellement beau. Le résumé pour moi, là, de ça, là, le mot liberté à la fin, j'ai jamais entendu ce mot-là plus puissant que quand tu l'as chanté, là. Puis, si tu n'avais pas respiré entre libère et t'es, j'aurais été totalement tué. Mais c'est. Puis je suis sûr que pour d'autres, c'est un détail. Là. Mais c'est incroyable ce que tu peux faire. Puis c'est incroyable ce que tu peux faire quand tu danses. Puis c'est incroyable ce que tu peux faire quand tu as du fun. C'est incroyable ce que tu peux faire. J'espère que tu vas sortir d'ici. Sans avoir la tête largement. De toute façon, c'est à peine si elle passe dans le cadre de pas. En hauteur. Fait qu'il faudrait surtout pas qu'elle passe pas en largeur. Mais je soupçonne que c'est pas ça qui va t'arriver. Mais je voudrais donc que tu sortes d'ici aussi impressionné par le talent que Dieu t'a donné que les... Que, en tout cas, peu importe, je sais pas t'évangéliser, là, mais aussi responsable de ce talent incroyable que moi, j'ai été touché. Très important, le mot que Grégory vient de dire. La responsabilité que tu as. Je vais finir vite, là. Je vais te laisser parler, Michel, mais un talent comme celui-là, ça vient avec une responsabilité, puis tu as les capacités là, d'une carrière vraiment intéressante, là. Vraiment très intéressante. Mais après ça va dépendre de...
du travail que tu vas y mettre. Tu sais, quand je fais souvent des analogies de hockey, mais les meilleurs au monde dans la Ligue nationale de hockey, ils font 500 lancers frappés par jour, 400 lancers du poignet pour que ça devienne facile. Je suis un peu remis de mes émotions, mais pas tant que ça. Non, gars, j'ai assez pleuré pour aujourd'hui. C'est vraiment pas mon genre de pleurer pendant une évaluation. Par où commencer? On commence à se connaître un petit peu, pas beaucoup. Tu sais que je suis extrêmement préoccupé par le texte des chansons. C'est-à-dire que si, avec la même profondeur de voix, avec la même intensité et la même présence extraordinaire, si j'avais pas compris l'intelligence du texte, j'aurais pas embarqué comme j'ai embarqué là. Je peux te dire une chose, Mélissa, c'est pas de la flagornerie, là, c'est pas du flattage, là. Je connais cette chanson-là par cœur, je l'ai entendue plusieurs fois. C'est la première fois qu'elle me fait brailler. C'est la première fois que je comprends tout le sens de cette chanson-là. C'est incroyable. Tu l'as habité complètement. Oui, c'est vrai, je veux dire, soyons critiques, là, t'aurais pu, à un moment donné, t'as mis un accent tonique très fort, à un moment donné, sur une syllabe moins importante. T'aurais pu faire passer le mot après un peu plus fort. T'aurais pu coller, libère, puis t'es à la fin. Oui. Hein, on est d'accord avec ça, puis go, place à l'amélioration, puis place au travail. Mais mon Dieu que tu l'as... C'est les images qui me sont passées pendant la tourne, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un beau choix de chanson pour toi. Ça me prouve aussi à moi que dans ta force qui est ce côté-là, un peu gospel, un peu soul, tout ça, que tu peux trouver des chansons en français qui font ça. Il y en a. Puis t'en as trouvé une. Puis quand t'es rentré puis t'as dit ça, je dois m'excuser parce que quand t'as dit « Le cœur est un oiseau », ma première réaction, ça a été « Oh, watch out, Mélissa, là, tu t'en vas sur une grosse chanson, là, tu sais. » Colin, écoute, après trois mots, j'étais accroché, j'étais « Ben voyons donc. » Non, c'est une porte qui s'ouvre à toi. Il y a du travail à faire, on est ici pour ça, puis la vie, c'est ça. Mais merci, puis continue. Merci. Est-ce que moi, j'ai le droit de parler? Non, pas loin. Non, mais comme un peu j'ai dit dans le cours à Grégory, à Patrick tout à l'heure, parce que ça nous a beaucoup aidé à être proche de nos émotions ce matin. Fait que le fait d'être encore fébrile, il y en a encore qui pleurent depuis ce matin, l'autre côté. Fait que, mais depuis la dernière mise en danger, puis depuis hier aussi, que j'ai découvert un nouveau style, puis que j'ai été capable de bouger, puis tout, on dirait que je me suis découvert. C'est peut-être pas encore comme la voix juste encore, mais il me semble que je m'ouvre plus, je suis moins stressée beaucoup avant c'est de faire clair, une performance. C'est évident. Puis je me suis amusée, puis même si je suis encore un peu stressée, mais on dirait que je contrôle mieux encore depuis. Ouais. En une semaine, il s'est plus passé d'affaires que les trois dernières années dans ma vie en chanson, je parle. Ouais, ouais. Donc, déjà, là, je me dis, si je fais ça une semaine en 5 ans, crème, ça va être carré. Mais merci beaucoup. Hey, merci à toi, Léon. Merci à toi. Merci. Ah, écoute. Ah!